C'est qui la femme ci? Who is this woman? La femme ci qui est au marché. Which is in the market. Qui au marché? In the market. Vraiment. Qui au marché? In the market. Et qui? And who? Qui vend à côté de Pauline? Selling. C'est qui ça? Close qui to Pauline. Qui vend à côté de Pauline? Selling near Pauline. C'est qui? Who is she? C'est qui cette femme au marché? Where is that woman qui in va, the market? Oui, venez, c'est vous, venez. Yes, come. Qui va à côté de Pauline? Selling. Maman, vous vendez dans quel marché? In which market do you sell? Marché Essos. Vous vendez au marché Essos, maman? You're selling oui, Essos market. Oh, salut-moi. Comment va le marché Essos? Ça va bien. Oh, il faut saluer le marché Essos demain. Vous serez là-bas demain. Will you be there tomorrow? Oui, papa. Salut tout le monde. Maintenant, je dis qu'elle salue tout le monde, elle rit. Now, I say to greet, she laughs. Maman, Pauline, c'est qui? Who is Pauline? Pauline, c'est ma petite sœur. Ah? Ma petite sœur. Au marché, Pauline, c'est qui? In the market, ma petite sœur. Elle va au marché avec vous? Is she selling oui. In the market with you? Elle va au marché avec vous? Is she oui. Selling in the market with you? Elle va au marché avec vous. Elle est à côté de vous, au marché? Close oui, to you c'est sur market. Son comptoir que moi je vends. Devant c'est qu'elle. Sur son comptoir que vous vendez? On the counter, oui. I'm selling. You are selling. Vous n'avez pas de comptoir? Non, je n'ai pas de comptoir. Vous voulez le comptoir? Oui, papa. Est-ce que je peux prier pour que ses finances soient libérées? I pray for our finances to be released. Mama. Mama. Est-ce que vous êtes prête? Are you ready? Est-ce que vous êtes prête? Are you ready? Pour un changement d'histoire. For a change of story. Vous êtes prête? Are you ready? Venez. Come. Décalez-la là-bas. Mettez-la ici. Put her here. Excellent. Varo. Excellent. 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 Maman, 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 arrêtez mom, d'être sous. Regardez-moi, je veux quelqu'un de normal. Quand je finis la prophétie maintenant, when vous saoulez l'onction après. Drunk, pour le moment, anointing. Pas d'ivresse. No vous êtes marié? Are you married? J'étais marié. Vous étiez marié? You vous were married. Vous étiez marié? You have been married. Venez à côté ici. C'est votre come soeur, c'est votre grande soeur. Ça c'est elle, Pauline. Oui. D'accord, Pauline? Vous étiez marié? Oui. D'accord. You were married. Maintenant, regardez. Now look. Vous êtes servante du Seigneur, you're vous aimez beaucoup la Lord. Prière. So même au marché, parle even de Dieu. Market, hein? Vous parlez de Dieu au marché. Oui, God. Vous dites à vos soeurs, oui, à vos soeurs de l'église, de, à vos soeurs de marché. De marché. Oui, papa. Vous leur dites de croire au Seigneur Jésus. Oui, papa. Vous leur partagez. Parce qu'au marché, vous êtes, il y a une soeur aussi qu'on appelle oui, Maman Agathe. Oui, Maman papa. Agathe. Qui est aussi une chrétienne. Oui. Et vous discutez souvent, vous oui. Partagez souvent. Elle vient souvent avec la Bible. Oui, elle a une Bible, Louis Segon. Oui, une vieille Bible comme ça. Oui, papa. Madame, est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, vrai, c'est vrai, papa. Vous connaissez Agathe? You know Agathe. Donne-lui le micro. Vous connaissez la soeur Agathe? Oui, papa, je la connais. Vous la connaissez? Oui, c'est et un jour, vous lui avez demandé que comment ta Bible est vieille comme ça? Parce que la première couverture est quittée. Elle vous a dit que c'est une vieille Bible qu'elle a, ça fait 14 ans aujourd'hui. Oui, papa. C'est ce qu'elle vous a dit. Oui, oui. D'accord. Wow. Hey. Regardez. Look. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. I will show you something. Regardez cette femme, qu'est-ce que vous look voyez? This woman. What do you see? C'est la nuit des flammes. It's a night of permettez-moi flame. De vous parler de la part de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous parler de la part de Maman, suivez-moi bien. Mama, je veux que vous me suiviez bien. I want you to follow parce que ce que je vais vous dire, c'est très because sérieux. What I will tell you is very serious. Vous dites que vous étiez marié. You c'est say ça? You were married, right? Il est où maintenant? Where is he il now? Est mort. Il est mort. He died. Depuis la mort de votre mari, il y a since des choses. Death, il y a des choses qui ne vont pas. Mais laissez-moi vous on. Montrer quelque chose que vous ne connaissez pas. You don't know. Avant que votre mari ne meure, before avant que vous married, le connaissiez, dies, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous ne connaissez pas. You don't know. Quand vous étiez une jeune femme, you avant de croiser votre mari, il y a un jeune homme qu'on appelait Thomas. Thomas. Hein?
y a un monsieur qu'on appelait Thomas qui vous avait aimé. That loved you. Et je vous ai vu avec ce Thomas. And I saw you with this avant même que vous ne soyez mariés au monsieur qui est mort. To the man who died. Et cet homme-ci, ce And Thomas, this Thomas, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui qui a affecté votre vie jusqu'à aujourd'hui. Oh. Est-ce que vous me suivez? Do you hear me? Oui, papa. Ce Thomas, il venait à la maison, il disait à la maman que cette fille, elle est très sage, elle est comme ça, ne vous amusez pas avec elle, je l'aime, mais il ne s'approchait pas de moi. Je ne sais pas. Attendez. Wait. Jesus. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Can I tell you oui, madame, vous connaissez Thomas? Do you know non, Thomas? Papa. Vous ne le connaissez pas? You don't know vous étiez encore toute petite. You were still young. Laissez-moi, madame, regardez-moi, madame, maman. Look at me, mom. Je vais vous parler, écoutez-moi bien. Zarumi wa Inas Bromi. J'ai déjà causé avec vous un jour. Ok. Quelque chose s'est passé à l'époque. Dans votre maison. In your home. Votre mère avait une amie à elle qu'on appelait Pauline, ma Pauline, qui venait régulièrement à la maison. C'était sa meilleure amie. Oui, papa. Un jour, ma Pauline est arrivée à la maison. Elle vous a appelé. Et elle vous a parlé de Thomas. Elle vous a dit, ma fille, il faut accepter. Quand tu vois comment l'homme là, il t'aime, vraiment, il parle de toi. Et il y avait un problème, vous avez refusé. Oui, papa. Vous avez dit à ma Pauline que moi, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Parce qu'à l'époque, Simon était déjà en train de vous draguer. Il y a un jeune homme qu'on appelait Simon, qui vous aimait, mais que vos parents ne connaissaient pas encore. Oui, papa. Hein? Oui, vérité. Simon est où maintenant? Je ne sais pas là où se trouve. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? For how long were you separated? Ça fait déjà plus de 39 ans. On l'appelait comment? How was he called? Hein? Simon. Maintenant, now, vous avez refusé. Vous avez refusé cet homme. That man. Mais but Thomas. Thomas. Écoutez bien ce que je vous dis. Listen what I will tell you. Thomas. Thomas. Avait une femme had a wife, qu'on appelait Hélène. Called Hélène. Il avait une femme qu'on appelait Hélène. Had a wife called c'est une Hélène. Femme avec qui il vivait déjà. He et devrait se marier. On est allé dire à Hélène que vous, Hélène was told that you, Thomas veut vous épouser Thomas pour la mettre dehors. Marry you to set her out. Et Hélène, and Hélène a dit ok. Said fine. Un jour, elle est venue chez vous one day she came to you pour se plaindre. To complain. Et elle s'est plainte chez votre mère she was complaining to your disant mother. Qu'elle apprend que Thomas est venu pour demander la main. To ask you. Et ça fait le problème dans votre maison. Vérité. Elle a bavardé dehors, à la véranda. Vérité. Hein? Vérité, elle a papa. Bavardé. Vous étiez dans le salon. You were in the parlor. Et vous étiez en train de dire que mais, pour un homme que je ne veux même pas, elle vient faire le bruit ici. Qui lui a she dit que je sors avec son mari, etc. Et lorsqu'elle a fait des bruits, elle est rentrée chez elle. À l'époque, laissez-moi vous montrer quelque chose. Votre maison familiale avait une véranda un peu élevée. Hein? Oui, papa. Madame, est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, papa. C'était une maison en briques de terre. Oui. Pas en parpaing, en briques de terre. Oui, oui. Et il y avait... On montait, on grimpait comme ça. Oui, papa. Plusieurs, donc c'était difficilement de monter. Oui, oui, papa. Et à droite, il y avait un tas de briques de terre oui, oui, papa. Qui étaient restées là. Oui. Juste devant, il y avait deux bois qu'on avait mis comme ça, avec des fils où on séchait les vêtements. Oui, papa. Hein? Et Jesus. Écoutez bien ce que je vais vous dire, que vous ne connaissez pas. Le jour où Hélène est arrivée, où elle était en train de se plaindre contre vous, chez votre mère, le jour-là, il y avait les habits séchés. Vos habits étaient séchés. Parce que le jour d'avant, vous étiez parti laver les habits au marigot. Parce qu'il y avait un marigot, vous partiez laver les habits. Vous étiez revenu, vous avez séché vos vêtements. Et vous aviez... Le seul jupon que vous aviez, un jupon blanc, qui était séché parmi vos habits. Lorsque la femme de Thomas est arrivée et qu'elle a fait le bruit, en partant, elle a pris votre jupon blanc. Elle est partie avec.
Quand vous êtes retourné pour regarder les habits, le jupon avait disparu. Vous avez commencé à soupçonner que c'est elle. Mais personne n'avait vu quand elle avait pris le jupon en partant. Votre jupon s'est retrouvé loin, chez un marabout. Et des choses terribles ont été faites contre vous. On a maudit vos entrailles. Que vous ne connaissiez jamais le bonheur. C'est pour cela que le commerce que vous faites aujourd'hui, vous pleurez tous les jours. You're crying every day. Papa. Vous pleurez. You cry. Vous pleurez parce que you cry. Rien ne marche. Nothing vous works. Êtes découragé même déjà you're dans le commerce que vous faites. Maman? Mama. Papa. Ça va? Are you okay? Ça ne va pas bien. Pourquoi? Why? La santé même ne donne pas sur moi. Depuis 2014, c'est elle qui m'a fait venir ici de Ngaoundéré. Pour que je... Bon, on a marché un peu partout de l'hôpital, ça n'a pas donné. C'est elle qui m'a fait venir ici pour que je suive l'église Réma. Donc c'est elle qui vous a mené. So she's the one who brought you. Maintenant, now, qui m'a parlé de Thomas? Who spoke to me about Thomas? Le Seigneur. Elle est venue. She came. Parce que sa sœur l'a menée. Because her sister took her. Maintenant, est-ce que vous croyez que now, il y a des prophètes au Cameroun? There are prophets in Cameroon. Je crois, papa, je crois. Vous croyez? You believe. Mais Dieu fera encore des but choses God grandes shall do greater dans votre things vie en sorte que vous croyez like encore davantage. Amen! Maintenant, est-ce que nous pouvons restaurer now, ses finances? Can we restore her finances? Regardez les deux femmes ici. Look at these two women. Il y a un miracle qui vient devant elles. There's a miracle ahead of them. Ce que je vais dire ici, ce que je vais vous dire, ce que je vais leur dire, what I will tell them, peut ne pas avoir de sens. May have no sense. Maman, écoutez. Mom, look. Voici ce que le Seigneur m'a révélé. That's the Lord revealed to me. Oh, madame. Madame. Regardez, maman. Look, mom. La femme ci, this woman, la prophétie ne lui fait ni chaud ni prophecy froid. Touch her not a heart. Elle a 37. Or cold. Mais ça va pas empêcher son miracle. But it won't stop her miracle tonight. Écoutez. Listen. Voici ce qui va se passer. Écoutez bien. Listen carefully. Voici par quel signe. Vous reconnaîtrez que l'Éternel qui m'a appelé veut vous sortir de la pauvreté et vous bénir. Amen. Première chose, craignez Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il va effacer ce que Hélène a fait contre vous. Deuxième chose, il y a une femme qui vient souvent acheter chez vous qu'on appelle Gisèle. Elle ne vient pas souvent seule. Elle a son amie. Madeleine, elle vient souvent quand elle passe au marché, elle passait toujours dans votre comptoir. Elle prenait la marchandise sur votre table. Cette Gisèle va revenir. Elle viendra, elle fera des achats. Elle vous donnera 10 000. Elle va faire les achats de 8 000. Il restera 2 000. Quand vous voudriez lui rembourser when you will les 2000, elle vous dira de laisser. She will say no, stay with it. Elle partira. And she will leave. Cet argent that money ne sera pas un argent venant d'un homme, coming from a man, mais c'est un argent que l'Éternel a mis à part. That the Lord set apart. Et lorsque wow cet argent entrera dans vos mains, and when that money shall enter your hands, ce sera la clé qui va ouvrir the key to open amen les portes de the vos affaires. Amen. Wow. Jesus. Parce que toute la semaine j'ai prié pour les finances. Ah, j'ai dit Seigneur pourquoi? Maintenant on prie sur elle, on prophétise. She's like this. Tu as prié pour les finances. You prayed maintenant for finances. Dieu envoie le prophète et vous êtes. Parce que papa, tout le marché qu'on a fait, depuis des années qu'on fait le marché, on n'a jamais bénéficié de notre argent. Et on vous annonce dans la restauration, vous êtes comme si vous êtes obtenu. C'est le deuil ici. Like c'est parce que nous sommes dépassés, papa. Vous êtes dépassés par quoi? Hein, maman?
Moi, je vois comme c'est un miracle parce que des années, je prie pour que vous parliez dans ma vie. Le jour où on parle maintenant. Les gens parlent maintenant, toi tu ne parles plus. Vous êtes étonné? Are you amazed? Donc Gisèle arrive. Gisèle is coming. Vous comprenez? Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas passée chez vous? How long has she not passed? Bien longtemps. Hein? Presque même 2 mois. 2 mois qu'elle n'est pas passée. Months, she is not coming. Vous savez pourquoi elle ne venait plus? Non, papa. You know why she is no more coming? L'Éternel l'a préparée pour vous. The Lord was preparing her for you. Soyez une bonne dame. Amen. Soyez une dame. She's a très gentille. Very Amen. Kind woman. Les 10 000 qu'elle va vous donner. And the 10,000 she will give you. Le Seigneur m'a dit que ce sera la clé. That will be the key. Pour ouvrir vos finances. To open your finances. Amen. The Lord Amen. Is giving you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Zarami wa inna haslomidon. Où sont les deux mamans là? Ce qui j'ai prophétisé tout à l'heure. I just prophesied. Where are they? Elles sont où? Elles sont Where où? Are they? Where are they? La vie, si venez, je vous dis quelque chose. This life, come, la, we tell dis à ton voisin la tell vie. Your neighbor, this life. Restez ici, restez. Stay here. Restez ici. Stay here. Je vais révéler quelque chose à la femme si je veux aussi vous révéler quelque chose de similaire. And I will reveal something similar. Écoutez-moi. Listen. Vous vendez au marché Essos, c'est ça? Essos market. Marché Essos. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Let me reveal you c'est something. Secret. It's a secret. C'est un secret. It's a secret. Laissez-moi vous donner un secret. Let me give you a secret. Dans votre marché là-bas. In your market there. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir où vous vendez. Vous me suivez? Il y a une femme. There's a woman. Parce que où vous vendez? Because where you're selling. J'ai vu une route qui passe. I saw a road passing. Oui papa. Hein? Oui papa. J'ai vu une route qui passe. I saw a road. Oui papa. En face de la route, oui. In face of the road, il y a une jeune femme oui, papa. Qui vend, oui, qu'on appelle Claire. Called Claire. Hein? Oui, il y a une jeune femme qu'on appelle Claire, oui, Claire, qui a sa table aussi en She face de vous, table. Qui vend. In front oui, papa, vous saluez Mbombo, c'est comment Mbombo, c'est comment? How are you? La femme-ci. This woman. Ah. La femme-ci. This woman. Méfiez-vous. Be careful. Jesus. Hey. Il y a des gens au marché. Si on vous montre où ils vont pour vendre, vous aurez peur de leur dire. Méfiez-vous. Be careful. Affirmer la prophétie de notre Père. Pour la nuit de flamme dernière, il avait dit quelle est la femme. Il nous a appelé la femme qui vendait auprès de Pauline. C'était moi et ma petite sœur et moi. Pauline, c'était ma petite sœur. C'est qui la femme-ci? Who is this woman? La femme-ci qui this est woman, au marché. Which is in the market. Qui est au marché. In the market. Vraiment. Qui au marché in the market et qui and who qui vend à côté de Pauline selling c'est qui ça close qui to vend Pauline, à côté de Pauline selling near Pauline c'est qui who is she c'est qui cette femme au marché where is that woman in va, the market oui venez c'est vous venez yes come qui va à côté de Pauline selling vous vendez au marché Essos maman oui papa Essos market oh salut va comment va le marché Essos ça va bien oh il faut saluer le marché Essos demain. Quand il a prophétisé, nous sommes allés s'asseoir et puis il nous a encore appelé. Nous sommes venus, il a dit de se méfier de Claire. Oh Seigneur. Où sont les deux mamans là? Ce qui j'ai prophétisé tout à l'heure. I just prophesied. Where are they? La vie, si venez, je vais vous dire quelque chose. This life. Laissez-moi vous donner un secret. Let me give you a secret. Dans votre marché là-bas. In your market there. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir où vous vendez. Vous me suivez? Il y a une femme. There's a woman. Parce que où vous vendez? Because where you're selling. J'ai vu une route qui passe. Oui papa. Road passing. Oui papa. Hein? Oui papa. J'ai vu une route qui passe. I saw a road. Oui papa. En face de la route. Oui. In face of the road. Il y a une jeune femme. There's oui, a young papa. Qui vend. Selling. Qu'on appelle Claire. Called Claire. Hein? Oui, il y a une jeune femme qu'on appelle Claire. Oui, qui a sa table aussi en She face has de a vous. Table. Oui
qui va. Parfois, vous vous saluez, Mbombo, c'est comment, Mbombo, c'est comment. How are you? La femme-ci. This woman. Ah. La femme-ci. This woman. Méfiez-vous. Be careful. Jesus. Hey. Il y a des gens au marché. Si on vous montre où ils vont pour vendre, vous aurez peur de leur dire bonjour. Méfiez-vous. Quand nous sommes rentrés, j'ai dit à ma petite sœur, mettons-nous sur la prière. Parce qu'elle a fait 15 ans au marché Essos. Elle vend nuit et jour, mais elle n'a rien fait de cet argent. Je l'ai dit, prions, comme le Père a prophétisé, elle sera exposée en public ici au marché. Papa, dans deux jours après, la femme est descendue vers la porcherie, là on égorge les porcs là-bas. Elle est partie ramasser. Une femme est descendue pisser. Après, elle aussi, elle est descendue subitement, elle a ramassé la terre. La femme lui a vu, elle a demandé, mais tu ramasses la terre du marché et là où j'ai pissé pour partir avec, pourquoi faire? Elle a répondu à la femme que c'est, je peux travailler avec. Mais elle dit, tu peux travailler quoi? Que c'est le marabout qui lui a demandé pour aller travailler. La femme lui a donc demandé, remets-moi cette terre. Elle a refusé. Et la femme est donc descendue au poste, elle est partie déclarer. Les policiers lui ont demandé, est-ce que c'est vrai que cette femme a dit que tu as ramassé la terre? Elle dit, oui, j'ai ramassé la terre. C'est le marabout qui m'a demandé la terre noire et j'ai ramassé pour y travailler avec. Et le policier lui ont exclu du marché. Le même jour, elle est sortie du marché. Elle n'est plus au marché. D'accord. La prophétie disait quoi? Votre soeur est où? Sa soeur est où? Où est sa soeur? Pauline. 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 C'est ce qu'on appelle les prophéties prédictives. Amen. Popo. Popo. Ça, c'est la soeur Popo. La prophétie disait quoi par rapport à cette femme? La prophétie disait qu'il y avait une femme clair devant moi. Donc il y a une goutte qui scindait entre moi et elle. Oui. Et alors, quand nous sommes rentrés, après deux jours. La prophétie, qu'elle, c'est qui? Qu'elle a fait quoi? Elle, c'était clair. Qu'elle fait quoi? Donc, elle pratiquait beaucoup. Qui se souvient de ça? Les sectes. Hein? Vous vous souvenez? You remember. Oui, papa. La prophétie disait qu'elles ont une voisine qu'on appelle Claire, qui fait des choses très dangereuses au marché, fait des pratiques, et que le Seigneur allait l'exposer. Et que le Seigneur allait l'exposer. C'était ça la prophétie? Non, qu'elle faisait des choses. Ah, donne le micro. Donc elle faisait la pratique. Oui. Dans le marché, oui. Qu'elle faisait la pratique et c'est pour cela que les gens du secteur ne progressaient pas avec leur argent. Oui. Oui. Laissez-moi vous donner un secret. Let me give you a secret. Dans votre marché là-bas. In your market there. Beaucoup de femmes sont en train de souffrir où vous vendez. Vous me suivez? Il y a une femme. There's a woman. Parce que où vous vendez? Because where you're selling. J'ai vu une route qui passe. I saw a road passing. Oui papa. Hein? Oui papa. J'ai vu une route qui passe. I saw a road. Oui papa. En face de la route, oui. In face of the road, il y a une jeune femme, oui, papa, qui vend, selling, qu'on appelle Claire. Called Claire. Hein? Oui, il y a une jeune femme qu'on appelle Claire, oui, qui a sa table aussi en she face de vous, oui, qui vend. In front, oui, papa, vous saluez Mbombo, c'est comment Mbombo, c'est comment? Bobo, how are you? La femme-ci. This woman. Ah. La femme-ci. This woman. Méfiez-vous. Be careful. Jesus. Hey. Et donc, quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors, quand nous sommes rentrés, on marchait avec Claire. Bon, quand elle était de son côté, elle était agitée ce jour. Et alors, elle s'est même descendue comme ça, aller vers la pocherie, aller ramasser maintenant la terre. Donc, la femme a dit que je vais t'exposer maintenant au milieu du marché.
C'est là maintenant qu'elle montait, la femme lui demandait que remets-moi la terre donc que tu as ramassée à la porcherie. Elle dit que non, le marabout m'a demandé d'aller ramasser cette terre pour aller lui donner parce qu'il veut travailler avec. D'accord. Oui. Maintenant, je pose une question à l'église. Elles sont venues ici, on a prophétisé sur elles. Hein? Vous m'avez déjà vu au marché un jour, je suis déjà venu chez vous. Non, papa. Non, papa. Ok, on leur dit qu'il y a une femme, que la femme si s'appelle Claire. Et que cette Claire pratique. Qu'elle pratique. Elles vont au marché et la chose arrive exactement selon la parole de l'Éternel. Mes amis, amen. My friends. Yes. Comment certaines personnes peuvent-elles remettre en question le prophétique? Sincèrement. Hein? Claire, I don't know her. Je ne la connais pas. La femme maintenant va à la police et on l'attrape. Comme le prophète a dit, elle sera exposée.